C'est un projet un peu particulier, c'est une idée qui est née d'une rencontre avec l'Opéra Comique, qui nous a en fait proposé de faire quelque chose sur le film de Cécile B. 2000, un film muet de 1915. Voilà, moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup de travailler sur l'image. J'ai beaucoup regardé le film, je l'ai un peu analysé, découpé, etc. Et je me suis dit en fait que j'allais découper ce gâteau de 60 minutes en 10 parts que j'ai assigné à chacun des membres de l'orchestre. Donc j'ai choisi les scènes en fonction de ce que je pouvais imaginer que chacun allait apporter à l'écriture cinématographique. Carmen, c'est un programme qui a été très fondateur pour l'orchestre, puisqu'en fait, au fur et à mesure de mes réflexions sur ce projet-là, je me suis dit, en fait, pourquoi ne pas donner la plume aux musiciens de l'orchestre, qui jusqu'à présent ont joué la musique des autres, mais n'ont pas joué leur musique, dont c'est la première œuvre de composition. Je me suis pris à tâtons, parce que c'était pour moi une expérience complètement nouvelle, donc ça a été un grand flip au début. Je voulais faire un truc un peu contemporain, donc j'ai pris une boucle électronique. J'ai travaillé par rapport aux couleurs et à la photo du film. Au bout d'un an, on voyait un peu comment les autres jouaient, donc au bout d'un moment, on écrit pour les gens plutôt que pour les instruments. Je me souviens sur les partitions, c'était écrit Guillaume, Vincent, plutôt que clarinette. J'ai voulu d'abord écrire pour la rythmique, cette rythmique électrique. J'ai pas une grosse habitude d'écrire pour un ensemble, même si je l'ai fait quelques fois, encore moins l'habitude d'écrire pour un film. L'immense challenge de ce projet, évidemment, c'était de ma part de laisser chacun aller jusqu'au bout de son écriture sans qu'il soit bridé par le fait de savoir qu'il allait y avoir un compositeur avant et un compositeur après lui. Après, charge à moi et aux musiciens de trouver le lien, de trouver la manière de passer d'un compositeur à un autre sans que ça paraisse être un zapping. C'est un orchestre, comme on le sait, qui est composé de musiciens qui viennent d'univers très différents, de musiciens qui ne se connaissaient pas avant que cet orchestre soit monté, que moi-même je ne connaissais pas pour la plupart. J'avais vraiment peur de la cohérence générale du truc, parce que je pensais qu'il fallait vraiment un fil conducteur. Ouais, ce qui était difficile au départ, c'est le fait de ne pas savoir ce que les autres ont fait. Et donc, on ne sait pas quelle tension vraiment se libère, qu'est-ce qui aboutit à ce moment-là. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'au final, sur une durée d'une heure, on pourrait presque avoir l'impression que c'est un même compositeur qui a composé cette partition, et le compositeur, bah, c'est l'orchestre, c'est une espèce d'animal mutant à 10 têtes et à 20 mains. Finalement, ce programme, les gens interrogés qui seront peut-être les plus éclairants, c'est les musiciens eux-mêmes, puisqu'ils, je pense qu'ils ont vécu quelque chose de très particulier. Moi, ce qui m'a intéressé sur le plan humain et sur le plan de la dynamique du groupe, c'était de créer justement un nouveau regard de chacun sur l'autre, de créer aussi des nouveaux challenges, c'est-à-dire chacun a dû prendre en main la direction de son morceau. On est toujours dans une petite ambiance de groupe, toujours à déconner. Et tout d'un coup, ceux qui pouvaient être un petit peu pas très consciencieux le reste du temps, pas très concentrés, tout d'un coup devenaient extrêmement sérieux et dirigés avec beaucoup de fermeté. Surtout quand on est 9 garçons, une fille, je m'aperçois que j'ai une voix beaucoup trop aiguë, vous les refaire, c'est beaucoup trop speed, faire passer une idée alors qu'on vient d'un univers musical avec d'autres références et tout, il a fallu du temps pour que tout le monde se fasse confiance en fait. Deux fois je fais ça, une espèce de signe de boucle pour que tout le monde se mette en boucle, et en repartant comme ça, l'orchestre redéverse toutes ses idées. C'est qu'on avait déjà travaillé avec deux compositeurs en tant qu'interprète, où on avait vu ce qu'ils
qu'avait imaginé pour nous. Et forcément, quand on joue la musique des autres, on imagine toujours ce qu'on aurait fait. Et là, c'était l'occasion de le faire, on l'a tous fait. Là, il y a vraiment un dialogue des musiciens entre eux et un vrai échange qui a fait que l'orchestre n'est plus le même depuis que ce programme a été monté. C'est intéressant de laisser au spectateur la liberté de trouver ses points de repère. Il y a deux choses qui se passent de manière synchrone, deux choses qui sont aussi visuelles. Donc c'est intéressant de voir finalement ce qu'on choisit, comment on se positionne par rapport à ça. Et la musique a à la fois une importance fondamentale et en même temps elle est toujours au service de ce film. A évolué à partir de ce répertoire, en tout cas qui s'est affirmé. C'est vraiment une épreuve sociale, mais hyper difficile à réaliser. C'était assez beau de voir à quel point ils étaient capables de se mettre au service de leurs homologues pour avoir le meilleur. C'était super excitant comme expérience. Après, j'ai fait beaucoup de petites corrections pendant longtemps, mais ça a été vraiment un challenge pour moi. Ça les a fait râler, mais ils ont beaucoup rigolé. Après, on en est sorti grandi, je pense, et fatigué. Quand on arrive au Sénégal...